Coucou les petits loulous! Aujourd'hui, Émilie-Lie, princesse parfaite, Zoé n'obéit pas. Zoé n'obéit pas. En ce moment, Zoé fait ce qui lui chante, ignore les ordres et désobéit systématiquement. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Elle comprend qu'en société, il y a des règles à respecter et que si c'est interdit, il ne faut pas s'entêter. Dans le magasin, papa a bien précisé « Zoé, tu ne touches à rien !» Mais Zoé a désobéi. En attrapant une boîte à bijoux, un cadre est tombé et s'est cassé. Papa était furieux. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Pas besoin qu'on le lui dise deux fois, les gros yeux du vendeur ont suffi à lui faire peur. Mamie le lui avait pourtant ordonné. Zoé, ne grignote pas de biscuits avant le dîner. Bien entendu, Zoé s'est empressée d'en manger. Résultat, elle n'a plus faim. Mamie, déçue que Zoé ne touche pas à son plat, s'est un peu fâchée. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Mamie a cuisiné rien que pour elle des spaghettis bolognaises. Miam, c'est trop bon! Alors, hors de question de se remplir le bidon avec des bonbons. Alors qu'il était tout tranquille, Adam se met soudain à hurler car Zoé, profitant que papa était en train de bouquiner, vient de lui arracher son camion téléguidé. Papa est irrité parce qu'il lui avait bien demandé de ne pas l'embêter. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. C'est dur de résister à un nouveau jouet, mais elle a promis. Papa qui surveille est très fier qu'elle ne fasse pas pleurer son petit frère. En classe, s'il faut écrire en rouge, Zoé écrit en bleu. En vert, et c'est l'orange qu'elle préfère. La maîtresse a beau la punir, rien n'y fait. Zoé refuse d'être commandée. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. À l'école, elle obéit sans discuter ni même ronchonner. Ainsi, lors de la réunion parents-enfants, la maîtresse ne lui a fait que des compliments. Au ski, alors que le moniteur montre comment bien tourner, Zoé et elle préfèrent aller tout droit. Arriver en bas avant les copains, franchement c'est trop bien. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Comme elle veut absolument remporter son flocon, elle écoute donc attentivement et répète bien les mouvements. Tous les soirs, Zoé pleurniche car elle ne veut pas aller se coucher. Quand maman lui dit « Cette fois, ça suffit. Il est grand temps de dormir. » Zoé désobéit et rallume sa lampe de chevet pour continuer à jouer. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Ses parents lui font confiance. Alors, quand il lui demande d'éteindre, Zoé le fait sans rechigner en se glissant sous sa couette préférée. « Zoé, je ne veux pas que tu grimpes sur le pommier quand je ne suis pas là. » exige papy. Mais sitôt papy parti, Zoé entreprend de l'escalader et ce qui devait arriver arriva. Zoé en tombant s'est cassé le bras. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Comme elle adore grimper aux arbres, papy lui a construit la plus belle des cabanes avec un accès par une échelle. Ainsi, plus besoin d'être toujours surveillée. En sortant de l'école, Zoé court comme une folle et n'écoute jamais sa maman. Adam, qui veut toujours l'imiter, s'est retrouvé sur la chaussée et a bien failli se faire écraser. Le frère et la sœur ont été grondés. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Pour rentrer à la maison, elle respecte toutes les signalisations, surtout quand elle est avec Adam. Zoé prend alors très à cœur son rôle de grande sœur. C'est quand elle a failli se faire mordre par un gros chien, bien que papa lui ait interdit de l'approcher, que Zoé a réfléchi. Papa avait vu le danger, mais pas elle. Elle a compris que quand les grands font leur commandant, ce n'est pas pour embêter les enfants, mais pour les protéger.
Depuis cet incident, Zoé, en vraie princesse parfaite, n'a plus désobéi. Enfin, presque. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.